Malheureusement, oui. C'était une bonne soirée, monsieur. J'ai gagné mon fonds de pension en pariant sur votre talent au beer pong. Quoi ? Ah, vous étiez là ? Oh, je vous ai pas vu. Vous ne voyez pas grand-chose à ce moment-là, monsieur. Mais le devoir vous appelle. Venez sur les quais au cap de Deven. Nous sommes presque prêts à partir. D'accord. À bientôt. Et bien c'est tout le monde, Sex vs Sky, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Immortal of Aveum. D'ailleurs apparemment le studio a déjà licencié près de la moitié de ses employés. Apparemment le jeu était un échec commercial. Je me demande bien pourquoi, hein, parce qu'on n'a pas réellement vu réellement de grosses promo marketing derrière le jeu, hein, donc je pense que ça leur pendait un petit peu au nez malheureusement. Est-ce que techniquement on peut dire que c'est un studio qu'Electronic Arts aura tué ? Ce serait pas nouveau, hein, si on pouvait dire. Hein. Bon. Qu'est-ce qui nous attend, Malucette ? En tout cas, c'est cool, apparemment, ils ont débugué le DLSS sur le jeu, parce que la dernière fois que j'avais joué, là, le DLSS, oh, il était dégueulasse ! Ah, super, on commence bien. Eh ma gueule. C'est bon ? Peut-être diminuer un petit peu. Putain, c'est où ? Ah, je sais jamais c'est où ! Truc de dingue, c'est peut-être un des rares jeux où est-ce que j'ai autant de problèmes avec la sensibilité, wesh. D'accord. Peut-être mieux comme ça. Ah, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors, faut que je fasse des grands mouvements, mais ça reste pas dégueu. Alors, qu'est-ce qui nous attend, du coup? La guerre, tout ça, les morts, les veuves, les orphelins, tout ce qu'on aime, quoi. Ah, super. Bon, c'est pareil, hein. Voilà, clé. On évite le sida. Donne-moi du loot! Ah merde. Et le cristal. Allez, je veux une guerre là. Allez, mange tes morts. Bon, c'est dead. Pourquoi tu te protèges, toi? Hein? Pourquoi tu te protèges? Qu'est-ce que je déteste le shotgun dans le jeu. Où est le viser, c'est pas grave. Bim! Quoi? Non! Oust! Ah, mais c'est une mage! Oh! Bien beau! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-haut? Oh bon Dieu, c'est moche! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là?
Ah, mauvaise touche, hack. C'est mignon là, mais. Je le touche pas. Tac. Tente de pas mourir. Hey, salut. Ça va? Vous auriez pu me nettoyer le chemin attends avant que j'arrive, hein? Ok, pas grave. Oui, boing. Allez, on part à la guerre, les gens. Je peux pas me téléporter directement ici, sérieusement. Ça sert à quoi d'avoir un autre portail si au final ça sert à rien? Est-ce que le mal de mer annule la gueule de bois? Ou bien, est-ce que ça se cumule? Bienvenue à bord, immortel. Quel est notre cap, monsieur? Je ne peux rien vous donner de précis, capitaine, mais nord par nord-est. 5 nœuds. Si Sandrak change de direction, vous serez le premier au courant. Un problème? Juste le fait que cette mission et la guerre dépendent d'une chose que nous ne comprenons pas. Du tout. On le rattrapera, monsieur. Vaisseau, ça. Oh, where are you? Where I must go, baby? I'm going, wow! Un instant, Jack. Hey, Devin. Ça, c'est l'œuvre des Argyman. On oublie parfois que des civilisations ont été capables de telles inventions avant Mysteia. Ça va, Jack? Donc, t'étais allé à l'université, c'est ça? Enfin, t'étais sûr de toi. Ça a été construit par les Argyman, et j'en ai jamais entendu parler. S'il y a une chose que mon père attendait de moi, c'est de traiter l'histoire comme une sorte de fourre-tout scolaire. Et de continuer à... Ouais, ok, mais tu sais, j'ai lu plein de bouquins, hein, et je connais mes dates et ce genre de trucs, mais... Je ne pense pas t'avoir déjà vu si anxieux, Jack. C'est... À cause de la bataille? Non. Enfin, si. Un peu. Écoute, le truc, c'est que Sandrak est super instruit. Tu te souviens comment il m'a appelé? À chacune de nos rencontres, un Shiokisha. Je m'en souviens. Exact, merci. À chacune de nos rencontres, un Shiokisha. J'avais pas besoin de le répéter, mais ouais, c'est... Enfin, tu sais, j'aimerais lui dire un truc dans le même genre, tu vois? Genre, on se bat, et puis d'un coup... Ouais, était... Vieux. Enfin, pas comme ça, évidemment. Oh, je vois. Une réplique érudite. Une bonne vanne dans sa tronche. Si c'est bien ce que je pense, alors c'est carrément ça. Hé, on va t'en faire une. Comme tu l'as dit, Sandrak est super vieux. Et c'est... Un... ringard? Essayons avec ça. On va lui rendre l'appareil. À chacune de nos rencontres, un nanana de... Vantard? Bouffon? Poseur. Oh, bouffon, ça fait mal. Comme toujours. Mais avec quelque chose avant. À chacune de nos rencontres, un truc bouffon. Le côté vieux, maintenant. Gériatrique? Obsolète. Fossile? Non, fossilisé. Gériatrique, c'est méchant. C'est le but, non? Le monde te pardonnera. Je pense qu'on y est. Il faut absolument la tester. Je suis Sandrak. Je... Attends, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt.
Je suis Sandbrak et je déborde de pouvoir et j'ai une gueule d'aristo blasé. Et je dis un truc comme « Pauvre fou, soyez certain que je n'aurai pas de pitié pour des garnements dans votre... » Ferme ta gueule, bouffon gériatrique! T'en penses quoi? En fait, juste lui dire de fermer sa gueule, c'est quand même bon. Il va vraiment pas aimer. C'est clair. Et t'es convaincant sur cette partie. Ouais, ça fait du bien. Ok, merci Devin. Si je peux aider, bon, va à la salle de contrôle. Je t'y rejoins bientôt. Mon dieu, c'était cringe. Ah, qu'est-ce que c'était cringe. Allez. Encre de Kileleham. Votre mémoire immergée. Chantant dans un regret rêvé. Aucune carte pour trouver vos pensées. Ni de frêles dessins à ressasser. Dandara, maman, t'es où? Choc me, mommy. Préparez-vous à repousser l'ennemi. L'aéronef s'est accroché. À vos postes. À vos postes. C'est parti. Yeah, de la bastoune. Jack, va à la salle de contrôle et protège Selko. Avec Zendara, on va retenir les rachardiens ici. Ça marche. Ouais, y'a déjà des morts, c'est cool. On va sentir la puissance du piou-piou. Je vais aller où, moi? Les gars, ça roule. C'était pas à mourir, hein, ça m'arrange. Oh non, il a fait, tu ne passeras pas. Jamais. Restons. Alors, d'autres volontaires? Ok, j'arrive. Attends. Bonjour. Oups. Meurs. Meurs au nom de la lune. Quelqu'un qui m'en veut, mais je sais pas où il est. Pas grave, on va avancer. Ah ben non, on va pas avancer en fait. Ah, mais vous êtes là! Excusez-moi, vous avez pas vu. Votre volontaire! Cheney! Angini. Oh là là, on a là. Wesh. Calmez un petit peu là! Ah, mais oui, d'accord. Et vous allez vous calmer un petit peu là! Oh, mais oh! Mais...
Elle meurt. C'est bon? Faut pas le péter? Elle est où? Et bon, on doit tuer des gens, Rex. Oh. Oui. Ah putain. Ah, on a fait le plus gros. Ah, j'ai l'impression de prendre super cher en vrai là. Oh, je déteste le fait que dans ce jeu les stores ils visent pas droit là. Jésus! Tu veux du Jésus, je vais t'en donner! Ok, super le sort, dis donc! Wesh, je sais qu'il faut de la difficulté au bout d'un moment, mais quand même là. Et tu vas mourir ? Oh putain ! Tant d'axe là. J'ai l'impression d'entendre quelque chose pas loin là. Pas contre des soins en vrai. Ah bah je le disais. Pas envie de te faire chier, ça marche bien. Tanana, tanana. Un sort vert juste en face. Ah ben. Ouais, t'es bien trop beau, vous imaginez. Oh. Pourquoi je pense que je peux le mettre comme ça? Non, ok. Passé. Thank you.
Je suis pas fan de ces petits trucs. Jack, c'est stupide. Repars. Il n'y a aucune raison de risquer la vie de ton équipe. Tu devrais pas la sous-estimer. C'était ton camp aussi, tu te rappelles? Sandrak a déjà commencé à lier l'encre. Il sera inarrêtable quand il aura fini et vous ne pourrez rien y faire. Ouais, bah j'ai encore un ou deux tours en stock. Et tu pourrais m'aider. Tu sais bien que non. Alors ne me fais pas perdre mon temps. Oh, il est pas content le Jackie! Alors, qu'est-ce qui nous attend là? Sinon, ah, j'allais dire, enfin! Ça servait à quoi en vrai d'avoir un aussi gros truc? Au final, il se défend même pas. Yeah, accord de la baston. Bah oui, eux ils peuvent se balader comme ils veulent, hein, pas de problème, hein, y'a que moi qui galère. Ah bah oui, fais-moi tomber dans le vide aussi, je te dirai rien, connard. Bon attends, le temps que tu te fight, moi je loot. Bien une dose. Quand c'est faire, faut taper vert, hein. Pas mort. Ouais, comment il est mort. Yep. Ouais. Je. Mais où? Ah non, tu peux pas me dire qu'il y a un ennemi qui est encore en vie. Il est sérieux, le jeu là? Il veut pas. Y'a aucune commande d'afficher, wesh. Ah bah super. Y'a moyen de se suicider en boucle. Oh, attendez, j'ai cru voir. Hein? Ah! Oh putain, sérieux, la porte. Fallait genre se mettre 30 cm quoi. 30 cm entre toi et le et la manivelle quoi. On va tous mourir. Selko. Tenez bon, capitaine. On y est. L'encre est au fond de la mer. Et il retient les eaux en bas. Il vit l'encre. Il faut qu'on y aille, maintenant.
Allez-y. Devin peut prendre les commandes. On repoussera les Racharniens. Je peux quoi? Tu es brisé, tu es lié, rêve de Kilelean. L'erreur d'Aristeia aura été de te considérer comme plus qu'un outil. Tais-toi. Jack, utilise ta marque pour la détruire. Maintenant. Il n'a pas de telle marque, ma chère. Quoi? Abandonne, mon frère. Tu pourrais te réjouir à mes côtés. C'est presque terminé. Ouais. Ou alors tu pourrais juste aller te faire foutre. Ton langage. Chaque moment de ta vie a existé, car elle orbite autour de la mienne. Tu ne peux pas parler de toi sans mentionner mon nom. Je suis le seul catalyseur de ta raison d'être. Il vient un temps où tout serviteur cède à ses chaînes. Mais je ne les ai pas forgées. Tu me vois comme ton ennemi, car moi, je ne te vois pas du tout. Un tria. Kirkan a eu de la chance de te trouver. Eh ben... Regarde la grosse baston dans un truc totalement... Oh là là, visuellement... Je bats comme un soldat dans la boue, pas comme un Magnus. Et où? Et où? Hey, mange ta maman. Ah, relève-moi. Eh putain. Arrête de bouger. Allez d'abord. Comment ça? T'es où? Oh putain. T'as vu, moi aussi je peux faire la même, hein. Il me faut plus de temps. Oh merde. Oh merde. Mais quoi? Je peux rien faire.
messie. C'était un instinct. Je peux le voir. Assez, la pièce. Ne le laisse pas là-dedans. Hey, presque dead là! Yay! Ah, super. Encore cet endroit, le royaume éthéré. C'est comme dans la forêt blafarde. Quelque chose dans les ancres fragilise les barrières entre les mondes. Salut. Faut vraiment qu'on arrête de se voir comme ça. Mais... Attends, attends! Zendra, relève-toi! Il faut y aller! La mer s'effondre sur elle-même! Quel soit votre tombeau! C'est ça. Ou plutôt le tien. C'est obligé. Alors, peut-être pas mort pour de bon, mais extrêmement importuné. Où est la pierre de liaison, Jack? Je l'ai. Eh, elle est où, Zendara? Déjà en train de retourner au Palaton, j'imagine. Ou en train de chercher des assaillants racharniens perdus à frapper pour qu'elle puisse se défouler avant de parler à Kirkan. Quoi? Tu plaisantes, là. Tu es allé complètement à l'encontre des ordres aux Forges Temple, Jack. Et tu l'as caché à tout le monde. Tu nous as fait passer pour des imbéciles. Quoi? Non, tu veux dire la marque de contrôle. On a battu Sandrak. On a la pierre de liaison. Devine, on vient de gagner la guerre. Kirkan t'a dit de la détruire, pas de la ramener. Devine... Tu peux pas être sérieux, là. Va-t'en, Jack. Kirkan va être complètement folle de rage quand elle découvrira ce que t'as fait. Il faut que tu prennes ça au sérieux. Ça va très mal se passer. Eh oui, couillon, hein. T'avais une chance de tout arrêter, et toi, t'as foutu la merde. Eh bravo, Jack, hein. Bravo, franchement, rien à redire, hein. Super professionnel, hein. Là, je vous jure, c'est noob de la magie, là. Bon. Alors... Voici le front. Le gros de l'armée des Lumières s'y rassemble, prêt pour l'offensive. J'ai rejoué le scénario 100 fois. Quand Sandrak avait la pierre de liaison, nos chances étaient infimes, voire nulles. Toutes ces recrues, quand vous les regardez, Jack, qu'est-ce que vous voyez? Je sais que vous attendez que je dise que je vois la loyauté ou le devoir ou un truc du genre. Comme ça, ça vous permet d'utiliser l'ironie ou ce que vous voulez pour... Écoutez, je sais que vous vous servez de ça comme préambule pour me dire que vous êtes énervé. Je suis même furieuse. Je suis désolé. Je suis arrivé aux Forges Temple. Et j'avais la possibilité de faire un choix. Non, pas vraiment.
Il n'y avait pas de choix. Qui vous a dit qu'il y avait un choix? Zendara, vous étiez sa commandante. Êtes-vous arrivée au Forge Temple en lui disant d'improviser? Non, madame. Notre objectif était de trouver comment détruire la pierre de liaison. Alors pourquoi est-elle à côté de moi, commandante? Je n'ai donné aucune indication de dévier de l'objectif, madame. Donc, vous me dites que vous êtes incapable de contrôler votre équipe, c'est bien ça? Ne vous en prenez pas à elle, c'était mon idée! C'est la chaîne de commandement, Jack. Je vais m'occuper de vous. Ok, ok. Si je peux juste dire une chose, tout ça, là, c'est complètement inutile avec ce que vous avez dans les mains. Je nous ai donné le contrôle sur l'arme ultime. Et on peut l'utiliser pour aller à Rasharn par nous-mêmes et les forcer à se rendre sans le moindre combat. Oh, vous avez tout prévu. Je n'avais pas réalisé. Est-ce que je suis le seul dans cette pièce à voir les dernières 24 heures comme une victoire incroyable? Bon sang, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans Arme Ultime? Le fait que ce soit un artefact Aristéen corrompu, Jack. Quand nous savons qu'Aristéen est un autre mot pour arme d'antan à laquelle nous ne sommes absolument pas préparés. Peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas. Et vous l'êtes? Quand je vous ai trouvé, la seule chose pour laquelle vous étiez prêt, c'était d'exploser en emportant le reste de Sirène avec vous. La dernière fois que j'ai parlé avec Sandrak, il m'a sorti la même phrase que vous. Tu n'existerais pas sans moi. Donc vous êtes un peu en retard, madame. Vous allez repartir au Forge Temple et chercher la marque qu'on vous a ordonné de récupérer. Je peux pas. Avant de revenir ici et de détruire cette chose. Non, vraiment, je suis sérieux, je peux pas. La machine est hors service. Vous foutez pas de moi, Jack. Mais c'est pas possible, t'es sérieux là? C'est pas le cas. Et oui, je le suis. Et puis, je peux la contrôler. Pourquoi vous ne le comprenez pas? Elle n'est pas contrôlable. Et personne ne le peut. Et si Sandrak n'est pas vaincu et qu'il revient, alors quoi? Elle reste ici, sous scellée. Mettez-la au coffre. Vous faites une erreur. Mettez-la dans ce fichu coffre! La sacrée Jack va. C'est moins difficile de suivre les ordres. Et là, il va voir sa copine. Elle va lui dire des mots doux. Ça peut attendre? J'ai besoin d'un moment pour me calmer. Kirkan vient de me pourrir. Non, ça peut pas attendre, Jack. Viens me voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok, c'est quoi le problème? Vous deux, laissez-nous seuls. Bougez! Sal, scelle les issues et déploie les protections. Tu te souviens quand Sandrak a percé les défenses du Palaton? Quel pied! Et qu'on m'a demandé de renforcer nos enchantements de protection contre la magie racharnienne. Ouais... Eh ben, ils ont marché. Tu peux me dire qui est Luna, Jack? Allez, arrête, Luna. Racharn n'a pas ses propres couleurs. Ah, comment tu peux me demander ça? Qu'est-ce que c'est? Un genre de projection spectrale? La vraie question, c'est avec qui tu communiquais, Jack? Attends, je rêve ou tu m'espionnes? Est-ce que c'est toi qui nous espionnes? Cette Luna est un agent de Rasharn? Non! Oh, oui, enfin... Elle a grandi avec moi à Sirène. Elle s'est occupée de nous. En fait... Écoute, c'est vraiment le bordel, Devine. Luna est... Ton amie soi-disant morte, ce qui est très triste, mais c'est aussi très faux, parce qu'elle est en fait un agent de Rasharn. Pire.
En fait, c'est la main de Sandrak. Oh, bon sang, c'est pas vrai! Je sais, je sais! Je te jure que j'allais t'en parler, Devine. Mais tu devais t'en douter. T'as remarqué que je la regardais pendant un de nos briefings. Parce qu'elle peut entendre nos briefings? Non, non! Enfin, d'après ce qu'elle dit. Et je la crois, parce que quand on se connecte ou je sais pas quoi, je sais pas ce qui se passe autour d'elle, et elle non plus. C'est pas... C'est un sort corrompu, Devine. C'est pas un gadget de surveillance ou je ne sais quoi. Je te le promets. Thaddeus a jeté un sort racharnien. Celui que tu as détecté. Pour qu'on puisse rester en contact et elle a fini par se connecter aussi. Ok, j'ai rien dit parce que je savais pas quoi faire. J'ai pensé que je pourrais peut-être la convaincre de quelque chose que j'avais pas encore trouvé... Je sais pas... Je te jure que je n'allais pas la laisser nous faire du mal. Tu as dit qu'elle avait tué Thaddeus. Oui, j'allais pas la laisser nous faire du mal, après ça. Devine, elle n'est pas intervenue dans le Maelstrom. Elle ne s'est pas approchée depuis que... ce délire mental s'est produit. Et maintenant que Sandrak est mort... Arrête ça, s'il te plaît. Je crois que tu devrais partir. Ok. Je serai dans ma chambre. Le Palaton. Il faut que tu quittes le Palaton. C'est grave, Jack. T'es sérieux? Quoi que je dise à Kirkan, je te préviendrai avant. Un truc qui me fait délirer, c'est que sur son armure, il a un couteau, mais bizarrement, il l'utilise jamais, quoi. À quoi ça sert d'avoir un foutu couteau si on s'en sert pas? Je sais pas comment faire. Il faut qu'on parle. Tu... apparaître. Hé, hey, gamin, c'est marrant, j'étais sur le point de t'appeler. Je parie que tu comprends pas. Thaddeus ? Aie pas peur, hein, je suis pas un fantôme. En fait... Votre sort de marche spirituelle a mal tourné. Hé, hey, le sort marcherait bien s'il n'était pas sollicité aussi brutalement. Maintenant, j'ai des visions de toi et de cette fille. Pareil. Enfin, pas vous. C'est la première fois avec vous. Eh ben, on dirait que tu sais tout sur tout. Je savais pas que vous étiez en vie. J'ai dit à tout le monde que vous étiez mort. Désolé de te décevoir. Je préfère comme ça, pour être honnête. Je suis sorti de l'ombre ces derniers temps et trop de gens commencent à savoir où je vais y venir. C'est quoi ce... Désolé. Rook me gonfle pour que je te dise de venir ici. Il faut qu'on parle de Sandrak. Mais bordel, tu peux la boucler ? Elle est pas morte, ce couillon. Ah. S'il vous plaît, pas d'ennemis pour me casser la gueule en chemin. Ça serait sympa, merci. En tout cas, il nous reste 3 chapitres, là, actuellement. Le petit va causer des ennuis. Hein? Quel petit? Ton petit, Jack, immortel. Qui? Avec le pantalon. Mais hey, wesh! Ah ouais! Qu'est-ce qu'il fout ici? Je me souviens de l'empaque. Ça va! Pas cool ça par contre, hein! Vas-y, j'avais pas envie de me fighter moi, mais putain, mais c'est un verre, mais je lui fais pas de dégâts, c'est quoi cette embrouille? Il nous a fallu beaucoup de temps à toi et au mien pour retirer le détail.
ça, mais... Qu'est-ce que j'ai eu, wesh ? J'ai augmenté ma magie verte à ce rythme, hein. Meurs. Il dit que tu meurs. Oh super. Pourquoi il y a autant d'ennemis qui pop d'un coup là? Aurait dû être safe logiquement. Bordel. Mais c'est pas possible, ils sont combien là? C'est bon, vous avez... Vous arrêtez de me casser les couilles? Moi je voudrais juste avancer dans le scénario là. Hein. À croire que c'est trop demandé. Non mais oh. Bien, c'est pas trop tôt. Hé, hey, gamin, viens t'asseoir. Messieurs, ça fait plaisir de vous voir en vie, Thaddeus. Et comment vous avez... On verra ça plus tard. Il faut qu'on parle. Ah, oh, bon sang. T'es retourné dans le royaume éthéré? Ouais. À chaque fois que je me rapproche d'une encre qui se fait absorber, je me retrouve là-bas. Puis je vois le Pintarque et hop, me revoilà. Ah. Pintarque doit apprécier. Il ne fait pas ça, normalement. En général, la traversée est à sens unique. Cette encre absorbée dont tu parles, c'était là où tu penses avoir vu Sandrak mourir? Question rhétorique, petit. C'était là. C'est comme ça que Sandrak est entré dans le royaume éthéré. Vous avez dit quoi? Il restait probablement un petit espace là où se trouvait l'encre. Un petit passage entre les mondes, il a sûrement trimballé... Son cul galeux au travers, juste à temps. Un sacré coup de bol. Attendez, qu'est-ce qui vous fait dire que Sandrak est allé dans le royaume éthéré? Parce qu'il en est revenu. Récemment, et il est pas loin. Je le sens d'ici. Il y a une encre éteinte ici, à Kaltus. Il est probablement là-bas. Prends ça. Ça t'amènera directement à lui. À mon avis, il sera faible, convalescent et tout ça, quoi. Il n'a pas bougé, d'après ce qu'on sait. Alors autant le réduire en lambeaux maintenant, s'il est en train de se remettre. Pourquoi il n'a pas utilisé l'encre pour rentrer à Rasharn? Rasharn est un lieu dangereux pour un tyran affaibli. Sandrak a des ennemis à la cour. Vaut mieux qu'il les évite s'il le peut. Alors c'est parti. Troisième round. Sandrak a dû appeler sa garde rapprochée pour le protéger. Tu vas pas pouvoir les éviter. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? La fille... Elle sera là avec toutes tes autres emmerdes. Merci, les gars. Je vous demanderais bien de m'aider, mais vous m'auriez déjà proposé. Oh, je suis toujours en train de me remettre de la raclée que j'ai prise par ta pote. Et moi, je vis dans une caverne pour une bonne raison, petit. Dehors, on se fait souvent tuer par des gens moins éclairés que toi. Mais bonne chance, et fais-lui mal. Avant que tu partes, gamin, va à cet hôtel. T'auras besoin de son sort. C'est quoi le souci avec ce sort? Il brise les protections. Je parie que t'en auras besoin pour approcher Sandrak. Je devrais essayer ce sort. Hein? Vous avez protection azurée avec votre frappe au corps à corps? Quoi? À la prochaine. Et c'est pas maintenant qu'on est à corps à corps? Bon. Ah putain, ça passe au garde. Bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse.
Prenez soin de vous, poisson rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la couille attitude, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les règles, le dicton. Je vous laisse, je plein de poutres partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bouti bouti, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.